Et bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce 12e épisode de Tale of Minecraft. Let's go. Alors, oui, donc j'ai réinstallé ce mode pour pas que lui disparaisse sans aucune raison. J'ai fait des tests, je n'ai rien donné. Quand on construit, à première vue, ça ne détruit pas quand on demande de reconstruire. Il y aura encore des tests à faire au niveau des coffres et autres. Mais des trucs dans les maisons qu'il construit lui, d'ailleurs, faut voir si je peux le faire. J'ai pas regardé ça d'ailleurs. J'ai oublié de regarder, j'ai un peu tout usé, tout ce que j'avais pris comme un gros débile en essayant de construire ça. Est-ce que ça marche? Non. Price list. Ah. Alors, small house. Petite maison, 192 bois, 128 cobble. Ouais, ok. Ok, il faut 3 stacks, entre 2 et 3 stacks de chaque pour qu'il puisse être content. Intéressant. Alors, je vais retourner au château, à ma maison, pour aller chercher ça. Alors, j'ai un peu en répétition. D'ailleurs, c'est très moche ça. Je vais un peu arranger ça. Hop. Et faire comme ça, oui. Je m'interromps complètement juste pour faire un petit truc complètement esthétique. Voilà. J'ai commencé un peu à faire le chemin vers le truc. Bon, c'est évident, je le suivrai jamais exactement la bonne taille, mais voilà, j'ai un peu commencé à faire ça. Salut le canard. J'ai commencé aussi un peu à raser cet endroit-là, mais j'ai eu ma pioche qui m'a cassé entre les mains, donc j'ai pas pu finir. Donc, avec un peu de soul sand qui reste, que je m'en fiche complètement. Donc ça aussi, il faudra que j'enlève. Puis après, tout ça sera bien beau. Puis je ferai vraiment des trucs tellement esthétiques. C'est dans le serveur Minecraft où je suis admin. N'hésitez pas à passer. Je fais énormément de ça. C'est-à-dire, je regarde tout ce qui est dans le coin. Et si c'est pas beau, bah j'améliore. C'est beaucoup de travail souvent, mais c'est très souvent. Je vais très souvent être en train de justement de tout reconstruire. Voilà. Donc, nous revoilà à la maison. Pam, 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 pam. Est-ce que j'ai des graines sur moi? Oui. Est-ce que j'ai de la place sur moi? Non. Mais c'est pas grave, je le pète quand même. Ça, la gunpowder, franchement, j'ai pas envie de me faire de la TNT, ça sert à rien. Alors, par contre, là, j'ai plus de place. Faire cuire tout ce que j'ai trouvé. Hop. Avec un seul, ça suffira. Et là, divisé par 8, le plus proche, c'est... attendez. 32... Oh, bah 40 égale. Exactement 5. 5. 5 fois 8, 40, oui. je fais mon petit truc, je compte. Je fais, oui, ça coûte combien? Alors j'ai retrouvé des barreaux alors, en détruisant ça. Ça me, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'utilité à ça. Ça, je vais laisser ici. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais en faire pour l'instant. Je vais reprendre ça, le bois. Je vais prendre ma cobble, j'avais laissé. Je vais aller retourner après au château. Ça, je vais laisser là. Le diamant, je vais laisser là en cas de problème. Le flint, ça ne me sert à rien pour l'instant. L'iron, je vais remettre là. Ça, je vais laisser. Hop, la table de craft est gardée. La baïale est gardée. Le bois. Voilà, je prends ça. Et j'arrive ici, il n'y a rien à. Ah, oula, ça ne sert à rien. On va reprendre des outils, même s'ils ont presque pété. Et voilà. Et cheval, je le prendrai plus tard. Hein, genre, elle me sera fait un enclos. Parce que pour l'instant, ça me sert à rien. Alors, là, il faudra aussi que je fasse le chemin. Bah, tiens, et pouvoir le faire. Pouvoir faire juste cette partie-là. J'ai un peu travaillé hors épisode également. J'ai complètement éjecté le poisson, là. Oui, je sais que c'est pas très beau vu de côté. Enfin. Oh, attendez. Est-ce que ça se remarque?
Vu de loin, oui, bon, ça se remarque très très bien. Bon, au moins les poissons peuvent passer. Hein? Je suis bon, hein, je suis gentil, c'est le prestige. Par contre, moi, je fais creuser ça. Hein, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Voilà, je me suis pété ma pelle. Ça, c'est fait. Attention. Oh! Voilà. Est-ce qu'il me reste? Non. Ok. Jump. Alors, attendez. Voilà, quelqu'un qui me parlait. Ça, c'est fait. Hop. Oups. Ça m'a fait une petite impulsion, là, le courant de l'eau. Ça, il faudra que je m'occupe plus tard. Voilà, j'avais commencé un peu à mettre de gravel ici. En cas de problème, là, j'ai une épée, hein, parce que... Bon, il m'attaque pas. Faudra vraiment que j'irai réétudier le mode Human Plus pour essayer de comprendre vraiment le fonctionnement de toutes ces factions, ces gars qui nous attaquent, qui sont gentils, méchants ou pas. Le système des écharpes également qu'on a eu avant. Donc ça, ce sera vraiment... À partir du prochain épisode, je pense, je commencerai vraiment à m'installer à ce mode. Merci. là, il n'y a rien d'intéressant. Là aussi, voilà, je ramène un peu de gravel. Déjà, j'en aurai un peu plus pour moi. Donne-moi du pain, merci. Ah. C'est rien, toi. Hein? Hop, hop, hop. Voilà, parfait. Je replante tout ça. Ça me fait du blé pour me faire du pain. C'est épique. Voilà. Toi, est-ce que t'as un truc intéressant? Je pense que non. Est-ce que je peux acheter? Est-ce que je peux vendre? Oui. Intéressant. Ça fait gagner. Merde. Ah, oula, ça donne. Oula, ça donne. Ça dit même pas avant de faire. Merde. Oups. J'ai fail. Bon, ça me sert à rien. Ouh, ça coûte cher. Ah, c'est c'est une bonne idée. C'est une bonne saison pour faire du fric. Hein. Vendre tout ce qui nous sert à rien. Est-ce qu'ils peuvent acheter Excalibur? Oh. Le truc après, qui en donne 1000, puis il fait spawn 5 fois. intéressant. J'ai pas pensé à ce système de vendre les objets. Faut que je ramène tout mon stuff qui me sert à rien. Attends, pourquoi est-ce que je venais par là déjà? J'ai oublié. Le gars normal. Qui oublie tout. Je viens ici, mais je sais pas pourquoi. Pourquoi il y a la glowstone ici? Toi, tu sers à rien. J'avais pas déposé de l'argent, non. Hein? Dafuc. J'avais laissé ça ici? Ah bon. D'accord. Ça, je vais aller vendre. Voir si je peux vendre ça. Je laisse, c'est la merde. Et voir si ça se vend bien, les arcs. D'accord, je sais pas pourquoi c'était là. Ça me... Voilà, quoi. Toi, celle-là. Arc, ça me fait... Ouh, mais c'est que ça se vend bien. Je sens, ça va me faire plaisir, ça, au niveau des ventes. Mais qu'est-ce que tu vends, en fait? Des arcs. Oh, les arcs, tu vends combien, ça? 450, ouais. Ça. Iron, des crocs. Crocs? C'est quoi, ça? 1000! Ouf, non, merci, je vais pas t'acheter ça. C'est quoi, ça, avec crocs? C'est quoi, c'est des trucs en crocodile? Feu! Son petit bestiole, d'accord. Bien. C'est magnifique. 1300. Hein. Bien. Bah, je crois que c'est tout bon, d'après moi. Je sais même plus pourquoi je suis venu jusqu'ici, en fait. Juste aller vendre. Ouais, je fasse des allers-retours pour aller y vendre tout ce que j'ai. La netherrack, les balles, les lingots. Enfin, non, pas les lingots, les... Je dis les barres de fer. Les barreaux. La barre de fer. Car pour la chapeau de pour de deux barres de fer, vous recevrez deux barres de fer. C'est super. Ah, sacré Gad Elmaleh. Hop.
J'ai essayé de. J'ai préparé le terrain pour mettre la gravelle. Plouf. Il y a un samouraï qui m'attend là-bas. Épée. Pan dans ta gueule. Voilà ta bouffe. Et il me veut rien, merci. Le soleil se couche, le soleil se couche. Je vais me dépêcher d'aller à la maison. Et d'attendre le jour. De dormir comme un gros feignant. Parce que j'aime pas la nuit. Hein. Là, je pense que vous avez compris à force. Dégage. Tout défonce. Alors. Ouais. Je crois que je vais d'abord. Dès qu'il fera jour, je vais tout déposer ça. Je vais déposer là. Je vais déposer un max. J'ai qu'à. Allez, hop. 1, 2. J'aurais pu voler les. J'ai entendu. Dégage, voilà. Voilà, ça j'aime bien faire, c'est tout déposer et ensuite tout me réorganiser avec ce que j'ai vraiment besoin. Alors, vais prendre tout ce que je vais vendre. Alors, ça, je vais le garder. Ça, je garde, ça, je vais vendre. Ça, je garde. Pumpkin, ça ne sert à rien, ça, je vais vendre. Les plumes, je vais garder. Diam, je vais garder. La flinch, je vais vendre, ça, je vais vendre. Shark Teeth, à moins que. Si je vends des trucs qui me servent, qui pourraient me servir, vous me le dites, ça je vais garder quand même. Ça je vais vendre, ça je vais vendre. Vous me dites hein, si je vends des. S'il y a des trucs qu'il faut que je garde, genre je sais pas, les dents de shark là, et puis ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais voilà quoi. C'est. Si vous savez que si ça sert à quelque chose, merci de m'en informer dans les plus brefs délais. Merci. Et je vais prendre ça hein, pour pas. Voilà. Parfait. Ouais. D'accord, je dors à côté du lit. Normal. À gauche, à droite, rien. Voilà. Pour les connaisseurs, vous avez reconnu le début d'une chanson de trio. Je suis pas trop fan de ce groupe, mais il y en a des chansons pas mal. Ah! Je vais pas trop m'en occuper. Hein. Ténèbres. Voilà, saute! Je vais aller me faire des couilles en or! Par contre, je suis pas sûr que les trucs de mots créatures, par exemple, je sais pas s'ils vont acheter ça. M'étonnerait. Mais ça ne coûte rien d'essayer. Puis là, je prends un petit passage, je m'étais fait il y a très longtemps. Je sais même plus quand d'ailleurs. Avec la magnifique musique de Minecraft qui retentit derrière. J'espère que le son n'est pas trop fort. Non. Je pense que ça devrait aller. On entend le vent de Matmos, hein, avec aussi des oiseaux de Matmos. Tout ça est tellement réaliste. Manquerait plus qu'il y ait un peu plus de contours et on se croirait dans la vraie vie. Hein? Il y a un gars qui s'est énervé. Les tortues ont peur de moi. Je suis le démon hurlant. C'est toi le forgeron? Non? Il est où le forgeron? Solanis, magnifique. Tu viendrais pas de tuer le forgeron là? Toi, tu ne sers à rien, dégage! Je sais pas où est passé le forgeron là, j'ai. Comme d'habitude, c'est génial! Ça aussi, le problème avec certains mods, c'est que. Justement, ces problèmes justement, entre Human Plus et les autres mods. C'est que ils ont pas l'air de trop s'aimer, donc il peut y avoir des problèmes. Justement, vous voyez, maintenant là, je vois plus le forgeron.
Donc je vais faire une petite pause et puis je reviens dès que tout est réglé. À tout. Oh, après une pause d'exactement 20 secondes, hein, il m'a suffi de juste redéplacer les... Heureusement, c'est pas un mode compliqué à installer, Tale of Kingdom. Donc voilà, alors, Gold Coins. Non. Est-ce qu'il m'achète Solanis? Ouh, 600! Alors, on est direct 60. Ah, ça fait un peu bugger. Ok, il veut pas la Netherrack. C'est pourri, ça. Ça, il prend, c'est bien. Ça, il prend, c'est bien. Les fleurs, il prend. Pumpkin, s'il prend, ça coûte cher en plus. Hop, ça coûte pas très cher. La redstone, non, même pas beaucoup. Ça, ouh, il achète les trucs de mon créature. Ouh, Gold Border, ça coûte cher. Son Iron Bar, je sens que ça fait remonter, ça. 5000, c'est pas mal. Je me fais du fric. Ça, il achète. Ah tiens, il veut pas ça. Et ça. Bon, ok, Netherrack, les trucs ça, il veut pas. Solanis, je vais garder. Parfait. 6004. Bien, je suis arrivé avec 1003. Je me suis fait approximativement 5000, un peu plus. Magnifique. Je peux facilement m'acheter un truc, je pense. Oh, un cœur. Merde. Ça fait le même bruit que dans Link. Que dans Zelda. Alors, combien est-ce que tu vends tes trucs de diamants? 1500. Oh, ça coûte cher, mon dieu. Je te prends pas. Allez. Ça coûte trop cher. Voilà. Allez. Après toutes ces péripéties, on peut y aller. Donc on va aller récupérer à la maison les ressources, hein, que j'abandonne à chaque fois. Il me manque encore pas mal de bois. J'irai aussi également me chercher du... J'irai m'acheter un worker. J'ai plein de projets en tête. Dis donc. Enfin, je me fasse une petite entrée par le mur. Hein, il suffit que je demande de ne pas réparer l'endroit, et puis voilà quoi, ça marche. C'est vrai que... ouais, non. J'étais en train de me dire, c'est peut-être une solution aussi de pour le village, pour avoir aucun risque d'y passer, de dire... bah, on le reconstruit pas. Mais je sais pas si construire une maison, ça va reconstruire le tout. Bon, par contre, c'est complètement pété. C'est complètement... enfin, j'arrête de dire ça. Je sors d'une session depuis 2 jours. Alors, j'arrête pas de regarder les épisodes de Skyrim que j'avais en retard, de Bob Lennon. Je regarde ça et voilà. Hein, je pense que je suis pas le seul. J'arrête pas de dire ça, j'ai dû regarder quoi une trentaine d'épisodes en l'espace de 3-4 jours. Complètement épique. Voilà, c'est. Je disais donc je sais pas si ça. Ouah, arrête ta gueule. J'ai pas envie de parler. Je vais prendre ça, même si ça, je sais que ça sert à rien. Je vais prendre mes outils, prendre mon épée, prendre ma table de craft, mon seau, mes torches. Mon pain, un peu de dirt, ça, mon arc, ça je vais laisser, ça je prends, et ça je prends, ah j'aurais pu aller vendre ça mince, l'arc avec ça se vend bien ça. C'est... Ah mince, j'aurais peut-être dû garder les flints pour faire des flèches. Ou ah non, ça y est, cobble les flèches. Je suis con moi. Attends. Qu'est-ce que c'est? Ah bah puis comment on fait? Je me rappelle plus comment on fait, ça fait très très longtemps que je n'ai pas craft des flèches. Le cheval, je crois que je vais encore le laisser là pendant un petit moment, le temps que j'aille me faire, que je me fasse un enclos près de ma ville. Hein, je le laisse enfermé dans son coin, tel un geek. Allez, je suis pris d'une envie d'embellissement de la zone. Voilà. Toi, tu restes avec moi. Je vais reboucher ce trou.
Je fais très souvent ça aussi dans Minecraft, même en solo, des fois tout seul. Je vois un trou, j'aime pas ça parce que j'aime pas, elle passe à côté. Justement, ça, dans les serveurs, ça a des très mauvaises impressions de trouver ce genre de trou. Voilà, magnifique. Je n'ai pas vu ce trou, je n'ai pas vu ce trou. Je n'ai pas vu ce trou, là, 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 là. Le gars qui a l'envie de reconstruire une colline, quoi. Normal. Allez. Aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. J'aurais bien fait laisser chez moi la suite de l'avenir. Ah. Et oui, je m'arrête encore une fois parce que j'étais passé ici avant, j'avais pas pu finir à cause de ces pioches qui ne résistent pas à 5 coups à la suite. Par contre, la fois je me revienne avec une pioche en diam pour l'obsidienne. Voilà, ça c'est fait. Faut déjà de stocker des pioches à moitié pétées, quoi. Ça sert tellement à rien. Je fais ça à la question, après j'oublie des trous des fois. Quand c'est des trous comme ça. Voilà, allez. Là, on a des biches, des antilopes. Des gazelles, des mutants, je sais même pas ce que c'est. C'est entre peu et pas important. Ah, et je n'ai plus de dirt, c'est génial. Par contre, je suis à côté de chez moi. En fait, c'est vraiment pas loin, en fait, quand j'y pense. Tant mieux. Alors. Alors, il est là ou est-ce qu'il est pas là? Il est... Attention, il est peut-être là derrière. Il est là. Oui, c'est bien, tu t'améliores. Tu arrives à être là plus de 5 minutes. C'est magnifique. Ah, par contre, je sais pas s'il prend les bois de différentes couleurs. Ah, j'ai plus d'instac, là, mais il veut... Ah, c'est nul, ça. Alors, Smile House... Ouais, Item Shop, eh, ça peut être. Ça fait une maison, Smash Shop. Small House. Loading, please wait. Je vais attendre, je sais pas parce que là je peux déjà appuyer sur Exit, mais. Ouais! Une magnifique maison avec de la brique, une. Absolument pas copié. Il y a un truc qu'on voit très rarement. Je n'ai jamais vu ce style de maison en serveur. C'est pas moche. Avec un villageois. Mais c'est magnifique. J'ai maintenant un villageois dans ma ville. Est-ce qu'il me parle? Mon roi, vous avez besoin d'un travail. Donnez-moi une hache et une... Oh, donnez-moi une hache et une pioche. Du bois. Je vais les faire en bois. J'ai failli faire un truc débile. Hop. Voilà. Alors. Ouais. Comme ça. Un, deux. Une pickaxe. Hop, hop. Et voilà. Time to mine. Je suis maintenant un worker. Lead the way. Woodcutting mining. C'est magnifique tout ça. Alors je pense qu'il faut. Je vais essayer de l'amener. Maintenant je peux faire travailler mes villageois, mais c'est génial. Les gars font tout à ma place et. C'est bon, il a été assez intelligent pour arriver à frôler le coin pour arriver ici. Là, on a un cheval. Et il n'est pas intelligent pour éviter une barrière. Ouais. Mon Dieu. Alors. Tu te mets ici. Let us go mine stone. Oui.
We must go. On doit aller plus bas, sire. Ok, ça a l'air d'être un gars qui nous suit un peu partout, comme le garde. J'ai pas envie d'avoir trop de gars non plus, hein, évidemment. C'est... Vous avez vu, on peut... Je vais voir avec l'autre. J'entends le téléphone qui sonne, normalement il y a quelqu'un d'autre chez moi, donc c'est pas pour moi. Hein. Le squelette, toi tu meurs, hein, tu n'es qu'un squelette. Est-ce que... Non, j'ai absolument rien pour lui. C'est pas bien ça. Toi, Baywalker. Il va commencer immédiatement. Donc j'ai l'impression, je dis bien l'impression, j'en suis absolument pas sûr, que les gars qui sont censés être justement être travailleurs, on ne les voit pas. Que j'ai beau avoir à réinstaller le mode, suck my balls. Je ne vois personne. Alors, je vais faire un petit test. Hein. Oui, je fais des tests, évidemment. C'est comme je connais pas à 100% le mode, même si ça fait un bon moment que j'utilise, j'ai pas tout encore. Woot! Ok. Normal. Ah mince. Je finis à la main. Ah. C'est quelqu'un qui travaille, enfin qui fait un semblant de travail. C'est bizarre ce gars là. Lui il faisait quoi? Collège 64, mais 64 quoi? Foreman, c'est quoi Foreman? On a plutôt le nom d'un personnage de série. Ah oui, c'est aussi un Foreman, d'accord. Worker. Étrange. Je capte pas trop pour l'instant. Est-ce qu'il serait peut-être autre part simplement? Il y a bien trop plus de. J'aurais peut-être dû prendre du pain. Là, on a une magnifique tour de surveillance. Attendez, je vais. Peut-être une. Je vais peut-être savoir. Oula. Pain! Tu peux faire autre chose, toi. Non, ok, on peut pas l'échanger, d'ailleurs. D'accord. Et je peux pas lui dire d'attendre. qui mine à rien, quoi. On dirait qu'il est... Mais il est fou, ce gars. Il est fou. Ok, alors, je vais essayer... Ah non, mais non, il me faudrait une deuxième maison. Ah. Tout ça me paraît très bien, non, dis donc. C'est qui, Okuzama? Ah, il y a quand même quelqu'un dedans. Ah! Alors, je vais mettre ça, comme ça, hop. Ça va me faire un peu gâcher tout ça. Je sais pas si ça l'a réparé ou quoi que ce soit d'autre. Par exemple, je crois qu'il n'y a plus de bois, donc je sais pas trop si ça fait quelque chose. Ça, c'est toujours là. Je vais laisser ça jusqu'à ce que j'aie une preuve de oui ou non est-ce que ça disparaît avant de mettre quoi que ce soit. Je peux rien faire. J'ai plus de bois. Alors, je vais juste me refaire 1, 2, 3... mince, plus de bâtons.
Ah bah. Utiliser des bois différents, tiens. Hop. Je vais mourir. Toi. Wood cutting. Shopping is down. What? What? Il est où l'autre worker? Il est là-bas. Bon. On va s'arrêter là. Hein. On va aller à la maison. Enfin, même si c'est pas ma maison. C'est vraiment sympa sa maison. Par contre, les portes buggées comme ça, j'ai jamais compris comment c'est possible qu'on arrive à faire ça. Hein. Sous du. C'est comme en fait si elle spawnait tout seul. Et qu'elle comprenait pas qu'il y en avait deux à l'un à côté de l'autre. Bon, c'est assez marrant ça. Je lui donne un truc en bois, il a un truc en iron. Normal. Shipping is down. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Bon. Étrange, tout ça mérite réflexion. Je vais faire des petites recherches et puis on verra ça, je pense, au prochain épisode. Donc c'est la fin de cet épisode, merci d'avoir regardé. Pouce vert, favori, vous pouvez même le mettre sur votre page Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, mais je sais même si c'est pas ça comme ça qu'on le dit. Donc je vous souhaite une bonne journée et au revoir tout le monde, ciao. Est-ce qu'il y a une araignée là? C'est bon. Ciao. Oh, fail. Ciao.